C'était News One. One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. One. Je l'ai récupéré, c'est plus ton plus les mêmes, il m'a mis à l'envers.
baby. Oh, talk my baby. Oh, 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 girl, I'm not to see my baby. To see my baby. To see my baby. To see my baby. Girl, I'm not to see my baby. Es que yo, yo cuando me pongo loca, yeah, yeah, baby, je veux plus ton amour près de moi, non, baby, je veux plus ton corps sur mon cœur, non, baby, je veux plus ton amour près de moi, je ne veux plus, je ne veux plus, non, baby, je veux plus ton amour près de moi, non, baby, je veux plus ton corps sur mon cœur, non, baby, je veux plus. Tout d'abord, l'hôte de ce soir, celle qui nous accueille dans ce beau cadre, je la nomme Madame Christiane Alpo. Applaudissements pour Madame Christiane Alpo qui nous accueille dans ce beau cadre ce soir. Christiane, applaudissements. Bonsoir et tout d'abord merci d'être venus si nombreux pour soutenir Ika. Ika, je l'aime beaucoup parce que son parcours est juste magnifique. Et donc, comme appelé pour me dire, je voudrais venir chez Oshola pour parler de moi, de mon parcours. Je lui ai dit, bienvenue chez toi. Parce que quand on a pensé Oshola, on a voulu mettre en lumière des talents créatifs africains. Et tout ce qui nous rend fiers d'être qui on est en tant que noirs en Europe, mais noirs simplement. On a vu que beaucoup de... Allez, on va dire que... L'Afrique a été racontée d'une manière erronée, voilà. Et que dans la conscience collective, quand les gens pensent africain, ils pensent infériorité, ils pensent tout ce qui est les maux du monde, voilà. Parce qu'on est noir, on est moins beau. Parce qu'on est noir, on est moins compétent. Parce qu'on est noir, on est ci et ça. Mais donc, Oshola dit, par rapport à cela, on va répondre. On va juste mettre en lumière nos talents, nos meilleurs, nos leaders et ceux qui nous rendent fiers d'être africains. Donc voilà pourquoi depuis un an nous avons créé Oshola. Je l'ai pensé il y a 19 ans. Il y a un an on a pensé Oshola. Jean-Jean était où? Je me suis perdue, c'est pas grave. Donc il n'y a pas que moi, il y a une équipe derrière Oshola. Il y a certes une tête qui est moi, mais aussi mes amis et toutes les personnes bien pensantes et qui sont prêtes à raconter l'histoire africaine différemment. Et donc, voilà pourquoi Ika est ce soir ici, je suis là, parce que je pense que c'est l'espace qui lui convient, vu sa qualité, vu son talent, vu son engagement pour la cause des enfants, mais aussi pour mettre en lumière les artistes. Voilà pourquoi Ika, ce soir, vous a accueilli chez Oshola. Donc, pour tous ceux qui sont ici, merci encore une fois d'être là. Et si vous voulez, vous aussi, mettre en valeur votre talent, comme l'a fait ce soir José, bien, un petit mail, appelez-nous ou venez prendre un café chez Oshola. Voilà, merci et bonne soirée. Merci Christine, merci. Donc, nous allons maintenant alors recevoir Ika, puisque nous sommes là pour elle. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, elle a grand cœur et souvent quand on la voit sous les réseaux sociaux, on se pose des questions. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, le pourquoi, mais comment ça lui est venu cette idée? Ben donc ce soir on aura toutes les réponses à nos questions. Donc nous attendons juste qu'on nous ramène Ika de Jong. J'espère que la soirée vous plaira. Et dès que notre princesse sera là, qu'elle traversera la porte, je vous demanderai d'applaudir bien fort pour Ika. Merci. Thank you.
qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro. Aujourd'hui, c'est moi qui te pose les questions et c'est pas toi. Tu te sens comment? En tout cas, je sais pas quoi dire. Il n'y a rien de plus beau que de se sentir aimé. Et voilà, je suis contente. En tout cas, un grand merci à vous tous qui êtes venus si nombreux. Il y a même ma maman qui est là. Pour la première fois qu'elle m'entend de l'autre côté. Voilà, il y a une première. Donc ce soir, c'est toi qui réponds à nos questions. Et j'espère que tu vas répondre en toute sincérité. Parce que tu m'as dit, Bibi, ce soir c'est un bâton rompu. Donc toutes tes questions, je ne vais éviter aucune question et je répondrai à toutes tes questions. Il ne faut pas me bombarder. Bah, fais gaffe, hein, tu bombardes souvent, donc aujourd'hui c'est ton tour. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est Who's That Girl? Yes. Ouais. Qui est cette fille? Je préfère dire qui est cette femme. Qui est Ika de Jong? Parle-nous de toi, de ton enfance. Ika de Jong vient d'où? Qui est-elle? Ika de Jong, c'est DJ Watson, merci. Ika de Jong, c'est une femme. C'est une fille d'abord. Avant que je sois femme, je suis la fille de... Elle est où ma maman? Je suis la fille de Chantal Kibongé. Est-ce que vous pouvez applaudir ma maman? Mon papa, Jean-Jacques Léon, je crois qu'il n'a pas pu venir. Je ne le vois pas, donc lui, il est resté parce que mon neveu qui joue au foot. Et je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je suis maman, j'ai 3 beaux enfants. Et voilà. T'as pas vraiment envie qu'on s'attarde sur le sujet. En fait, ma vie privée, si les gens qui me connaissent, je parle pas trop de ma vie privée. Malheureusement, tu es quelqu'un qui est connu, qui s'est affiché. Donc quand on voit Ika, on doit tout savoir. Oui. C'est un peu quand on voit Kim Kardashian, on sait avec qui elle sort. Oh, on connaît le père de ses enfants. Donc quand on voit Ika de Jong, on doit savoir qui est qui, n'est-ce pas? Exactement. Bon, mon partenaire est ici dans la scène. Waouh! Qui se prononce? Ouais, je garde ce côté un peu privé. Ah, je comprends pourquoi tu veux pas qu'on dise. Je comprends pourquoi tu veux pas qu'on parle du père de tes enfants. Monsieur est là, d'accord. On passe. Dis-moi, tu as commencé dans le monde des médias à un moment X. Tu nous diras quand. Comment t'es venue cette passion? À la base, j'ai toujours aimé les médias. Je suis quelqu'un, depuis que je suis petite, tu vois, à la télé. Nous, on est de l'époque de Loukou Koussa. Tu vois le papa là? Qui connaît papa Loukou? Moi. Là, tu connais. Moi, je suis de cette époque là où tu regardais cet homme à la télé. Tu sentais des frissons. Tu vois, tu regardais le sport, tu voyais un papa Kaboulo. C'est pas le Kaboulo d'aujourd'hui qui crie. Kaboulo de l'époque. Et c'est quelque chose qui m'a trop fascinée. Et je me disais, j'aime bien. Et un jour, je crois que je dois raconter ça, comment je suis arrivée à aimer les médias. Oui, raconte que ça, oui. Donc, je suis arrivée à un moment donné de ma vie, j'étais au boulot, j'ai une copine qui s'appelle Dada Kambaji, je ne sais pas si elle est là. Elle va arriver tout à l'heure. Il y a un papa qui passe. Un papa qui passe au boulot, qui me voit. Je ne sais pas que ce papa m'a vu. Il est venu au guichet et tout. Il était venu chez Traverse. Et à un moment donné, il part. Et j'entends cette copine-là, Dada, qui m'appelle pour me dire, il y a un vieux qui t'a vu au boulot, qui va bientôt lancer un média, qui a besoin de quelqu'un comme toi. De quelqu'un comme toi. Oh! J'ai dit non. Avec 3 enfants, hein, la maison, comment je vais gérer encore des caméras, des... J'ai dit non, je commence d'abord à balancer l'histoire. Elle insiste, elle dit que le papa-là insiste. Ce papa-là, il commence à m'appeler. Ce papa-là, il s'appelait, parce qu'il est décédé, Fortis Marouille, plein son âme. Il me voit, il revient. Je vois ce papa-là qui insiste. Et une fois, je le
voir. Il m'appelle une fois, très tard. Déjà, je lui dis, papa, t'as la barre là, moi, c'est Aliba, là. C'est ça. Tu m'appelles tard comme ça. Il me dit, non, j'ai déjà acheté les tenues. On va bientôt lancer le média. En tout cas, j'ai besoin que tu sois là et tout, tout, tout. Bibi, comme les choses se passent, je le vois, je crois, 2 jours après, il traverse vers la gare du Midi, mais comme s'il boitait comme ça. Bon, après, tu vois quelqu'un, je rentre à la maison. Et j'entends un bon matin, on m'appelle. Je crois que c'était mon vieux Chochoboki qui me fait signe. Ou quelqu'un me fait signe pour me dire que Fortis Navangue est décédé. On vient de retrouver son corps dans son appartement. Donc tu n'as même pas eu la chance de travailler avec lui? Non. Et je suis allée en dessous de sa maison, de son appartement. Il y avait le deuil et tout. Et là, je rencontre un autre vieux à moi, Diko Ndomba, si je ne sais pas s'il est là. Donc, à un moment donné, tout le monde était là, les Congolais étaient là, on pleurait ce papa Fortis Navangue qui était quand même connu dans la communauté. Et il y a l'enterrement. À l'enterrement, il y a des médias qui viennent. Et à un moment donné, on me passe le micro. Et on me dit oui, le deuil et tout. Et puis là, je dis, eh, voilà, on avait un projet et tout, et en tout cas, ça m'a fait mal. Et à partir de ce moment-là, les responsables de ce média-là me contactent pour me dire non. Ce que Fortis voulait, en tout cas, on veut que toi, tu sois chez nous. Je dis, Bibiche, comment ces choses-là me suivent trop comme ça? Je me repousse encore, je dis, non, c'est bon, média, non, tout, quoi. Et les gens commencent à insister. Et à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? J'étais un week-end à la maison avec ma soeur, Mamie Bivacha, je crois qu'elle est là. Et je ne sais pas, on était encore avec qui, hein. On était, je crois, 3 personnes. Après, on se dit, on va... Il y a mon vieux Diko Ndomba qui dit, non, venez, on va à un tournage. On va jusqu'en Verse, on roule jusqu'en Verse, et on suit un tournage de cette équipe-là qui était Congo Assidu. Et moi, j'étais là. Et à un moment donné, j'étais là. Je reste debout, et ils disent, non, Ikanelon, viens. Bon, tu vas quand même parler, tu vas quand même raconter quelque chose et tout. On fait un genre de test, tu vois. Un genre de test, on va un peu... Oh, Bibiche, je fais le test. Signe libre à la rencontre. Direct. Un coup, une flamme. Et le truc qui était là, c'est moi qui compose vraiment le scénario. Tu vois, je leur dis, non, moi je vais venir comme ça. Il y aura les portes coulissantes. Hein, je vais sortir quand je sors, ça va être comme ça et tout. Tout le scénario, je le construis dans la tête et eux, ils filment. Quand ils filment, ils ont balancé sur les réseaux. Entre-temps, la personne qui filmait, tu vois, non, Dieu est grand. La personne qui filmait, c'est le petit frère, je peux dire d'un grand à moi, je peux dire aïe aïe, c'est mon cousin des cousins, tu vois. Et ce petit-là qui filme, c'est mon frère Toubadélo, Toubaboboudé. Yeah. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il est à qui pour Touba. Il est avec nous, malheureusement. Oui. Et Touba, maintenant, il me filme. Moi, je connais Touba petit. Petit, comme moi, je connais Patrick Pona, qui est le grand frère de Touba, avec Junior Kinson qui est là ce soir. Et je vois le petit derrière la caméra qui me dit, bonjour Yaya, tu te rappelles de moi? Moi j'ai dit, petit, parle un peu bien. Il dit, oui, tu te rappelles de moi, tu étais avec mes grands frères, parce que les grands frères de Touba, c'était quand nous on allait en boîte. Tu vois, quand on allait des filles en groupe de filles, on avait besoin des Yaya qui, hein, qui disent aux gens, les protecteurs, c'est pas petit ouais. Abus. Tu vois. Et là, je vois le petit Touba qui est devenu un monsieur. C'est un père de famille. Et ça a commencé. Les médias. Et c'est là que je suis rentrée vraiment dans le game. Après, il y a eu la création de GMTV. Oui. Bon, GMTV est venu parce qu'on t'a mis à la porte. Donc, GMTV est arrivé parce que tu as eu ce sentiment de grandeur en toi d'être indépendante. Touba et toi. Non, GLTV est venu comment? Comme
vie, il y a souvent des hauts et des bas. Quand t'as mis à la porte. Non, t'as vu ma tête. T'as parlé des hauts et des bas, donc quand tu dis hauts et des bas, donc c'est sous-entendu. Non, les hauts et les bas, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que Touba et moi, on est d'origine hollandaise. Ici, il y avait les Belges. Okay. Dans nos esprits, il faut voir. Il faut voir. On était Belge Fayoum, c'est ça? Non, non, même pas ça. On est beaucoup ici, hein? On est beaucoup. Faut pas qu'ils viennent sauter sur le podium parce que t'as dit un truc qui fâche. Non, c'était pas ça. C'était qu'à un moment donné, on s'entendait plus. On s'entendait plus, l'entente n'était pas. Ça passait plus. Et après, Touba et moi. Après. Tu peux continuer. Ok, après, Touba et moi. On est parti, on a créé GLTV. On a commencé à deux. On est toujours là à deux. Toujours, oui. On vous voit partout. Toujours à deux. Toujours à deux. C'est mon binôme. Moi j'ai les yeux devant, lui il a les yeux derrière. Ce que moi je ne vois pas, lui il voit. Ce que lui il ne voit pas, moi je vois. Et c'est comme ça. C'est juste aussi arrivé à ce point-là. Tu es toujours dans le milieu des joueurs africains, mais comment est-ce que tu es arrivé là? Puisqu'ils avaient toujours les médias européens. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à ICA? Parce que tu es toujours dans ce milieu, dans les fêtes des mariages des joueurs, les anniversaires, les baptêmes, les communions, les naissances. Il se fait mal au petit doigt, ICA est déjà là. Tu fais comment? Moi j'étais basketteuse, il faut savoir. Donc, sport, je l'ai. Tu vois, donc je crois que c'était monsieur qui était footballeur, monsieur qui est dans la salle. Je crois que c'était grâce à lui. Non, le papa de mes enfants. Jamais. Non, mais t'as pas tant. On sait jamais. Non, t'as pas tant. Le papa de mes enfants était footballeur. Donc ce qui se passe là, Bibi, tu me changes carrément de tout. Oui, je vois que tu fais souvent ça aussi avec tes invités, donc il faut un peu parfois aussi te bousculer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce milieu-là des footballeurs, comment je l'ai côtoyé, c'est que ces jeunes footballeurs-là, entre autres, je peux citer un Chancel Mbemba, il y en a beaucoup, Dieu merci, Bokani, il y a tellement de joueurs congolais. On a commencé à faire les interviews de ces joueurs-là dans leur club. Ça donnait une certaine confiance. Parce qu'ils avaient en face d'eux une Africaine. Ils étaient à l'aise. Il n'y a personne qui était là pour se moquer d'eux. Il n'y avait personne qui était là pour les diminuer. On leur valorisait à leur juste valeur. C'était des stars pour nous. Et il n'y a personne... Tu sais, quand tu exerces un métier, il n'y a rien de plus glorieux que de se voir apprécié à ta juste valeur. Parce que souvent... C'est un des défauts que nous, les Africains, nous avons. C'est surtout quand je parle des joueurs. Ils passent à la télé, on lui tend le micro, il dit un le à la place d'un là. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe juste ce morceau-là. C'est devenu le sujet de moquerie. Oui. Mais on oublie que ces gens ont des familles. On oublie que ces gens ont une personnalité. Quelque part, c'est... Ces gens ont mal. On se dit, bon, c'est bon, on a rigolé. Mais on oublie que ce gars-là, il va lire tous ses commentaires. Et c'est méchant. Et nous, sur GLTV, on a commencé à aller vers ces jeunes joueurs, leur donner cette chance-là de s'exprimer convenablement, qu'on puisse les écouter aussi, leur donner cette chance-là d'être vrais, d'être eux-mêmes. Ce n'était pas que les Congolais. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Nigériens. Et comme moi je parle 5 langues, donc c'était quand même facile de rentrer. Tu parles 5 langues, lesquelles? Oh là là. Je parle. DJ Pab, c'est ton micro. Je parle néerlandais, je parle anglais, je parle français, je parle swahili, je parle lingala. On t'a vu à la tête de certaines protestations, l'esclavage en Libye, le phénomène HM, des personnes qui ont été dans des centres fermés que tu as pu faire libérer.
Ça, c'est grand, je m'en rappelle. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais bon, pour ne citer que cela. C'est vrai que c'est bien beau de militer pour des bonnes causes, mais le revers de la médaille n'est pas toujours très sucré pour toi, n'est-ce pas? Tu te lèves et après tu te retrouves en justice, pour certains cas. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ok. La Libye, si je dois me battre encore une fois pour le même sujet, qui est la Libye, je vais le faire. Et je le ferai la tête haute. Hachem, à un moment donné, il fallait changer un peu les deux. Parce que j'ai vu beaucoup de gens aller dans les magasins et manger des bananes, jeter des épluchures, ou bien commencer à faire ouh, dans les magasins et tout. Je me suis dit non. On est noble. On fait partie d'une race noble. Exactement. C'est pas parce qu'on te traite de singe que tu te comportes aussi comme un singe. J'étais avec la team Afrique Libération, je crois qu'ils sont là ce soir aussi. On a dit non. On va aller maintenant au siège. J'ai balancé une vidéo sur Instagram. En 2 heures, la vidéo a fait 7000 vues. Directement, je vois une dame. Je regarde le profil de la dame. Oui, je suis la responsable de la chaîne Belgique, Luxembourg et tout. J'aimerais bien vous voir pour qu'on puisse en parler et tout, 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 tout. J'ai dit à la dame, moi je vous ai dit qu'on sera devant le siège. C'était un jeudi ou un mercredi. On sera mercredi, hein. Ah, merci. J'ai dit, on sera. Elle était là. J'ai dit, on sera devant le siège le mercredi. Je ne vais pas parler avec vous avant. On est allé mercredi. On a fait attendre la dame. Une heure. Hein, devant nous. Elle dit, non, venez. J'ai dit, madame, vous allez rester. Ma mère, elle me prend des fois pour une folle. Hein. Quand elle voit mes publications, elle me dit. Parce qu'elle m'appelle Mama Shanti, c'est ma fille, elle me dit Mama Shanti. Tu rentres encore dans quoi? Tu as agi, c'est passé par toi. Dieu a agi dans l'église, il cadre en magie. Voilà. Dieu a agi à travers l'île de l'homme. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, le papa, je l'ai vu au boulot, il est venu. Le papa, c'est un palaise. Il est géant comme ça. Le papa m'a pris dans les bras. Il a commencé à pleurer. T'as presque tout. Mais je ne l'avais jamais vu, en fait. Je ne l'avais jamais vu. Et puis elle me dit, merci, maman. Vidéo, Nayo. Et permettre l'abîme. Bibi, je te dis. Mais ça, c'est beau, ça. Ça fait du bien. Ça donne envie de continuer. Là, t'as envie de rien lâcher. Tu te dis, demain, mes enfants, ils pourront dire, maman a fait quelque chose. Voilà, il a 5 euros, c'est une sœur congolaise, Nicole Dimbou, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Elle est connue en Afrique, le magazine il circule partout, mais dans la diaspora, elle n'était pas encore connue. Et puis, elle m'a contactée, elle a contacté aussi l'international Chancel Mbeba, où elle nous a dit, j'aimerais bien que vous fassiez le cover. Le cover, c'est pas tout le monde qui fait un cover. C'est quand on te met là, c'est qu'on t'estime quelque part. Elle m'a dit, quand tu vas faire le cover de mon magazine. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de souci, on va voir avec mon agenda et tout, que je vais sortir sur Paris pour faire ça. Je lui ai dit, qui va me shooter? Elle me dit, c'est Mario Elpagne. Mario Elpagne, c'est une grosse pointure dans le monde de la photographie. Et il y a un grand monsieur, monsieur José Issam. José Issam, il est congolais. Il fait la haute couture. José Issam, c'est un peu comme du Yves Saint Laurent, c'est comme du Christian Dior, c'est comme de. Il n'y a pas de. C'est comme Chanel. Quand tu portes du José Issam, tu es à un autre niveau. T'es pas. Tu vois? Bien, il y a un niveau et niveau. Donc voilà. J'appelle le vieux José, je lui dis, il y a José. Là,
Kokola Tisamaï, une des petites. Yo, nous avons un problème. Je dis à José, moi je vais porter du José. Et puis il me dit, bon, on va voir. Je dis à José, je veux venir à Paris nu. Je ne vais rien prendre dans ma valise. Si tu ne m'habilles pas, je vais faire une vidéo, je vais dire que tu as refusé de m'habiller. J'arrive sur Paris, il était avec Arlène, je ne sais pas si Arlène est là ce soir. Elle m'a dit qu'elle fait la route, elle va arriver. Une styliste aussi. Et j'ai commencé à mettre du José. Fondation, n'est-ce pas? Yes. Où est-ce qu'elle est basée? Et je suis fière de l'avoir. Et nous sommes fiers de toi. Merci. Voilà. En fait, je vais parler quelques mots de ma fondation. On est allé une fois, le premier voyage qu'on a fait à Kinshasa, Touba et moi, on s'est dit, on doit faire quelque chose pour notre pays. On doit faire pour les gens qui sont chez nous, qui n'ont rien. On était logé à l'hôtel Pullman, les gens qui connaissent l'hôtel Pullman, il y a un rond-point et il y a un arbre comme ça dans un coin, il y a des papas handicapés qui sont toujours assis là, sur leur chaise roulante comme ça. Ils réparent toujours leurs pneus, ils ne terminent jamais à réparer, ils sont toujours là. Tu viens lundi, ils réparent le pneu, mardi, ils réparent le même pneu. Ouais, c'est leur siège. Et on est passé, parce qu'on se disait, on va faire quoi, on va faire où, on savait pas, on débarquait. Bon, pour la première fois avec GLTV et Kinshasa, on a dit non, on va lui donner notre enveloppe. On est passé là. On est allé chez ses papas là. Bibiche, on a donné notre enveloppe. Ce qu'on a vu sur les visages de ses papas. Il y a des choses qu'on ne sait pas décrire. Tu sais pas, même avec des mots, tu ne sais pas expliquer. C'est ça. C'est Dieu, c'est la nature, c'est comme ça. Parfois, il suffit de peu pour rendre quelqu'un heureux. Et on a dit à ces papas-là, on a dit non, on va vous filmer, on va mettre vos coordonnées de votre association et tout, pour que les gens puissent vous aider. Et on l'a fait. On a mis leurs coordonnées et tout. Et ils ont eu des aides, des enveloppes que les gens envoyaient, parce que les gens avaient vu les numéros, les gens commençaient à envoyer pour pouvoir leur aider et tout et tout. Et après qu'on est parti de là, on s'est dit non. On va créer la fondation. On va créer IDG Foundation, IKDEYON Foundation. Et on a commencé à partir. Chaque voyage qu'on partait, on faisait quelque chose. Mais quand j'ai lancé la fondation, ici en Belgique, je vais dans les bureaux, je toque, on commence à me compliquer, par presse gauche, par presse droite. Seulement quand j'ai lancé cet événement, j'ai Oshola. Oshola qui reçoit des Africains ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne savaient pas que Oshola existait. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à ça, il y a des gens qui sont au courant qu'il y a une sœur béninoise qui détient un endroit comme celui-ci, qui est magnifique, qui peut vous recevoir pour vos conférences, vos événements et tout. Si cet argent vient chez une Africaine, il faut savoir que l'enfant de cette Africaine va manger cet argent. Ici, aujourd'hui, quand j'ai lancé ça, j'ai Bernard Wanja, il est du Cameroun. DJ Paps, tous ces gens aujourd'hui sont venus gratuits. Hein. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Attends, c'est Bibiche. Bibiche est là. Applaudissez pour Bibiche, s'il vous plaît. Bibiche est là. DJ Paps, du Congo. Bernard Wanja, du Cameroun. Ça, c'est mon frère du Congo. Nzambini. Il y a encore des frères là-bas. Mayele qui est là aussi en train de faire. Ah, mon frère qui vient de Paris. DJ, ça c'est. Mayele est là. Ah, le Mister aussi est là. Qu'est-ce qu'il est beau, le Mister. Showbuzz. Il est où, mon frère du Showbuzz? Streetbuzz. Showbuzz, c'est à Kinshasa. Streetbuzz, pas de eux. Merci, frère. Il y a un génie là-bas. Lui, il a misé dans tout ce qui est le transport. Arrêtez de prendre des talis. Tam-tam voyage. Ah, c'est pas bébé ce monsieur. Il se cache derrière son nom Tam-tam voyage. Il a permis à ce que Barack vienne aujourd'hui, que les gens qui viennent de Paris soient là. Wi-Fi dans sa voiture. Je vous dis, dans sa voiture, il y a le Wi-Fi. Même dans le train, vous n'avez pas le Wi-Fi. Et il y a un confort absolu. Il y a déjà ça. Qui encore est ici, qui a participé? Nino, toi je sais toi.
ma mère qui est aujourd'hui là. En fait, Ika, c'est tout le monde qui a participé. Le fait tous ces gens ici, qui sont là ce soir, le fait d'avoir répondu à l'invitation, tout le monde a participé. Applaudissez pour vous-même. Merci, en tout cas. Merci. Bonsoir, Ika. Bonsoir, madame. Merci d'être venue. Merci d'avoir organisé tout ça, d'être venue pour tout ça, rassembler tout ce monde. Et tout ce que tu as dit aujourd'hui est très inspirant. Et j'espère que tous ceux qui sont présents, les générations qui suivent, peuvent suivre ton exemple et persister à inspirer et aussi à porter le message de la valorisation culturelle que tu représentes. Et si certains ne connaissent pas encore, comme la vie, ça m'étonne qu'ils ne connaissent pas, tu fais un travail magnifique. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui verraient avoir le même type de parcours que toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Merci, Dutra, pour la question. Si je suis arrivée à réaliser ce que je fais en 5 ans, c'est parce que j'ai été moi-même. J'ai été cette personne que les gens qui me connaissent à la maison, c'est comme ça que je suis à la télé. C'est comme ça que je suis dans la rue. Je suis moi-même. Quand tu essaies de créer une image d'une personne que tu n'es pas, ça te rattrape. Et les gens qui te regardent, ils ont besoin de s'identifier à ta personne. Il faut rester soi-même. Et puis, il faut vivre ses rêves. Moi, j'ai rêvé un jour d'être là. Pas devant toi. Et je le fais. C'était très dur. Je traversais des moments très difficiles. J'ai sorti beaucoup d'argent de ma poche. Parce que les gens croient souvent, en commençant, ils croient que directement, paf, tu dors dans un hôtel 5 étoiles, tu es dans des jets privés. Non. Moi, j'ai galéré, ma soeur. J'ai galéré avec mon frère. Je te dis, on mangeait une fois. On partageait une chambre d'hôtel à 4. Tu sais comment? Tu sais ce que c'est? Tu attends que l'autre finisse de se laver pour rentrer sous la douche. On est 5 soeurs. Merci, ma soeur. Donc, pour moi, quelque part, je me dis, reste toi-même. Et je te jure, tu vas réussir. Dans ton domaine. Et ce que tu sens en toi que tu dois faire, fais-le. Et ne laisse personne. Quand je dis personne, ça veut dire personne. Te dire que tu es incapable. C'est bon? Merci. Ika. Oui, maman. Ika, ma fille. Oui, maman. Je suis venue te soutenir personnellement. Merci. Tu me connais, je suis la belle-mère de Chancel Bema. Merci. Et je suis une femme politique. Mais je crois que ton exemple, c'est un exemple que toutes les filles congolaises ou de l'Afrique tout entière peuvent suivre. Le courage que tu as, l'énergie, c'est vraiment à transmettre. J'ai mon deuxième fils qui est Yannick, qui t'admire. Merci. Et dans 2 semaines, il va organiser une soirée à Louise. Il aimerait vraiment que tu sois là. Et en tant que grande sœur, je sais que tu feras tout ton possible pour être là. Vous pouvez dire à Yannick si je suis libre, je sais. Oui, je vais dire à Yannick. Merci, maman. Merci. Oui. Et je crois pour le baptême des fils Pongo, tu vas être là. Alors bonsoir, bonsoir madame. Car moi je suis très heureuse, moi je suis personne. Voilà. Mais alors moi je voulais parler au nom de toutes ces personnes qui sont personnes. Et franchement... Non, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez recommencer? Je dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'être entendues, okay. D'être comprises. Oui. D'être soutenu et dans les petites choses que moi j'ai vu, par exemple les enfants qui dans un simple bus ont été maltraités ou des choses comme ça, ça paraît des petites choses, mais c'est extraordinaire parce que c'est des gens qui n'ont pas la voix et quelque part ça c'est magnifique ce que vous faites. Merci. Même si il y a plusieurs dimensions des choses et franchement moi je voulais vraiment être là pour vous dire ça. Pour les gens qui n'ont pas de voix, c'est extraordinaire. Merci. Merci. Je peux vous prendre dans les bras.
Merci, merci. Alors, j'avais juste une question. Parce que j'ai entendu que vous êtes maman et tout ça. Ah oui. Et mais vos enfants, ils ont... Est-ce que je peux faire ça? Oui, allez, ça m'a commencé. Vos enfants, ils ont quel âge? Parce que... Mon aîné, elle a 12 ans. Ah oui, donc... La deuxième, elle a 10 ans. Et celui que vous voyez souvent sur les réseaux, Mr. G, il a 6 ans. Il a 6 ans. Oh. Ben, félicitations. Exactement. Non, mais excusez-moi, en fait, j'interromps un peu. J'ai joué les troubles. Juste, je vois, elle a parlé, Ika a parlé d'elle, et si nous, ses proches, son entourage, on devait parler d'Ika, je crois qu'on y passerait toute la nuit et Christiane nous mettra dehors. Donc, tout simplement, ce que je voulais vous inviter, vous avez entendu parler de sa fondation, vous avez vu les rares images de ses actions, et encore, elle n'a pas tout mis. Excusez-moi. Vas-y. Voilà. Moi, je voulais tout simplement vous exhorter à un anglais. Appelez les nains. Au quotidien, les nains. Donc, je voulais juste vous demander, comme on vous a dit tout à l'heure, le magazine coûte 5 euros. Mais moi, je voulais juste vous demander, en fait, on ne va pas vendre le magazine. Le magazine est là. C'est aussi une forme de soutien aux actions de la fondation des ICA. Pas un soutien pour ICA, mais plutôt pour les actions humanitaires qu'elle fait avec la fondation. Donc, nous allons nous dispatcher un peu dans la salle avec les magazines. N'hésitez pas. Vous avez 50 euros, vous avez 5 euros, 10 euros, 15 euros. Vous donnez. C'est pas un achat que vous faites, mais c'est plutôt un soutien que vous faites. Donc, s'il vous plaît, ne sortez pas de cette salle sans au moins partir avec ça, sans au moins mettre la main à Lyon. Vous avez. Bonsoir, bonsoir. Alors, ma question est la suivante. Je voulais juste savoir comment tu arrives à combiner ton rôle de mère et ton travail, parce que aujourd'hui, tu es quand même assez sollicité. Mon rôle de mère, comment je combine? J'ai un agenda. Je programme. Le matin, je dépose mes enfants à l'école quand je peux, quand je suis là. Je les récupère, mes enfants, depuis qu'ils ont 3 mois. Ma maman est là, elle sait. Depuis qu'ils ont 3 mois, ils dorment à 19h30. Quand je te dis 19, chez moi, c'est Contacol. Moi, j'ai grandi au Bled. Mes enfants, 19h30, ils sont au lit. Parce que après mes enfants, j'ai une vie. Donc, ils doivent respecter, ils savent qu'ils dorment à 19h30. Après 19h30, je sais gérer ma vie aussi. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de clé. C'est toi-même qui gères ta vie. C'est toi-même qui programme vraiment ton âge. Là, comme tu veux qu'il soit, c'est comme ça qu'il soit. Okay, merci. Je t'en prie, mes amis. Bonsoir. Est-ce qu'on peut l'écouter, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, je vous ai souvent entendu dire Amen. Oui. Est-ce que je peux demander ce qu'il en est de votre foi, si vous croyez en quelque chose? Merci. Pasteur, c'est à cause de ce Amen. Je ne serai pas ici debout. Regardez autour de vous, il y a combien de gens ici? J'ai quoi moi? J'ai rien. J'ai rien pour réunir autant de gens. Ce monsieur qui est là-haut, vous savez comment je le prie moi? Vous savez quand est-ce que je le prie? Les gens vont me trouver folle sous la douche. Moi quand je suis sous la douche, des fois ma fille me dit, maman tu parles avec qui? Quand je suis sous la douche, là, je m'adresse à Dieu. Parce qu'il est là, il me voit. Il n'y a personne qui va me dire, Ika, Dieu m'écoute. Et c'est à ce moment-là que je communique avec mon Dieu. Sans mon Dieu. Moi, ma foi, ce n'est pas parce que je ne suis pas tous les jours. Tu vois, mais God first. Voilà, moi, je n'ai pas une question à te poser. Oui. Par contre, je viens au nom de... Les working girls. Les femmes qui travaillent. Voilà. Ouais. On a une soirée les 17, on sait que tu ne seras pas là. Oui. On a quand même besoin de toi pour une publicité. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, tu connais l'adresse de chez moi. Oui. Tu connais mon fils Loïc. Je remercie Loïc qui m'a donné beaucoup pour la fondation aussi. Merci. Voilà. Donc, on a de nouveau. Oui. Des histoires, oh là 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 là, des baskets, là là là. Des ballons, merci. Des maillots, merci. Et quelques vêtements de la fondation. Je passerai. Voilà, je voulais seulement t'encourager et
Bonne continuation. Merci, Maria Yu. Merci à vous tous d'être là. Merci à au nom de ma fille, mon échec. Moi, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir m'exprimer comme elle s'exprime au micro. C'est une grâce. Le premier combat qui a, hein, les gens ne se rendent pas compte, c'est moi. Ah oui. Je regarde tous les jours. Il y a des choses que je n'aime pas. Je me discute. Elle me raccroche au nez. Je dis, Ika, c'est pas bon, j'ai peur pour toi. Mais mes genoux à terre, je ne cesse de demander à l'Éternel de la protéger. C'était News One. One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. One.